tube, on est toujours sur Earthbound. Apparemment, on est pas très loin. Enfin, c'est bientôt fini. Donc, on va aller au premier à gauche. On se prend le livre dans la gueule. Oh, la tristesse de ce truc. Pas oublier que c'est une démo qui est déjà vachement longue pour une démo. Bon, là, c'est tout noir. Où est le budget lumière? Et on tombe, tombe, tombe. Tu-nu-nu-nu-nu-nu. Alors, tu l'as fait? Tu l'as vraiment achevé? J'espère que c'était agréable. Profite de ta récompense. On est où là? Où qu'on est? Où suis-je? Baron? Tu es là? L'appareil sort avec une musique enjouée. Quelques glaceurs et des bouts de papier. On peut se servir un verre d'eau? La fontaine d'eau reste immobile, attendant d'entendre les commérages du bureau. Ok. D'accord. C'est quoi ça? Des petits papiers de toutes les couleurs recouvrant le tableau. Ben nous, on n'a pas beaucoup de couleurs. Les mots se troublent quand tu essaies de les lire. D'accord. La poignée cliquette, mais la porte refuse de bouger. Ah, il y a un truc à faire ici. Ce cactus, là, ce truc. C'est rempli de déclarations d'impôts. Trop nul. Une grande pile de livres. Ah, c'est pas le truc pour sauvegarder, ça? Et là, sur les implications d'un de gestion intermédiaire. Comment on sort? C'est la fin là? Il y a quelque chose à faire? Il y a une chaussette au mur. Une chaussette accrochée au tableau. Quelques informations utiles. D'accord. Mais. Re. Comment on sort? Il y a une gomme géante dans le tiroir. Le mot crayon est écrit sur le côté bizarre. Là, il y a les crayons, prends-les. Ce ne sont pas des vrais stylos, ils sont juste dessinés sur la table. Quoi? Il doit y avoir un truc à faire, faut trouver quoi? Quelques classeurs et des bouts de papier. Toujours des classeurs. Ah bah avec l'ordi, il y a peut-être quelque chose à faire. Je suis con. Nous sommes au nombre de 4, mais aucun d'entre nous ne l'est même. Attendez, je vais poser la manette vu que je l'utilise plus. Ça va faire un petit peu de bruit, je m'en excuse. Voilà. Nos nombres favoris tournent et s'en mêlent dans ta tête comme un odieux problème. Si tu te sens trop fatigué pour tenter de nous trouver, tu peux nous donner 7771 pour facilement nous contourner. Attends un clic et la machine s'éteint. Hein? Elle est peut-être dans les tiroirs à ouvrir. Le tiroir est bloqué. Il y a une gomme géante dans le tiroir. Le mot crayon écrit sur le côté. Faut qu'on en trouve. Plusieurs apparemment. Il y a un pot de cornichons rouge dedans. Les cornichons, c'est dégoûtant. Prends les cornichons. Le pot de cornichon disparaît dès que tu le touches. D'accord. Bizarre. Et donc, ici, là, c'est rempli de déclarations. Il disait quoi, l'ordi? Qu'il y avait 4 trucs à trouver apparemment. Ah, il se rallume. Texte défile rapidement sur l'écran. Nous sommes au nombre de 4. Aucun d'entre nous n'est le même. Nos nombres favoris tournent et s'en mêlent dans ta tête comme un odieux problème. Tu te sens trop fatigué pour tenter de tous nous trouver. Tu peux nous donner 7-1 pour facilement nous contourner. Entends un clic et la machine s'éteint. Je suis perplexe. Ouais, j'ai un peu fait le tour de tout, non? Ok. Mais c'est bon, on s'intéresse de près aux ovipares, en particulier leur reproduction. Mais c'est une énigme. Il disait quoi l'ordi? L'appareil se réveille avec une musique enjouée. Un texte défile rapidement sur l'écran. Nous sommes au nombre de 4, mais aucun d'entre nous n'est le même.
Nos nombres favoris tournent et s'emmêlent dans ta tête comme un odieux problème. Ils sont trop fatigués pour tenter de nous trouver. Tu peux nous donner 7-1 pour facilement nous contourner. Entends un clic et la machine s'éteint. Il y a une énigme, mais là il y a autre chose à faire. Le second s'intéresse de près aux vipères, en particulier leur reproduction. Mais fouille dans ces classeurs, mon gars. Ils sont juste dessinés sur la table, les crayons, ça s'en fiche. Ah voilà, le troisième est passionné par les envahisseurs nomades de l'Extrême-Orient. D'accord, alors il faut trouver 4 trucs dans un certain ordre, en fait. Mais quel est le quatrième? Peut-être la porte, du coup. Non. Ah, Claire et Eda aiment les chevaux, surtout ceux qui sont malveillants. D'accord, j'ai les 4 du coup. Ouais, non, mais j'ai compris, mais après, je fais quoi que j'ai les 4? C'est rempli de. Peut-être ça a ouvert le. Celui qui était fermé. A bloqué, refuse de s'ouvrir. D'accord, on a trouvé les 4. Aime les chevaux, surtout ceux qui sont malveillants. Tu veux interagir avec les crayons? Ah si. C'est le troisième. Je me sens nul. Hein. Le mot crayon est écrit sur le côté, bizarre. Juste en train d'y aller. Aléatoire. Oh! Ça doit être un truc à faire. Oh! Non! Ah. Faut refaire l'énigme, c'est ça. Tu as trouvé le 2, 3 et 4, mais pas le premier. Bah, c'est le premier, c'était, je pense, l'ordi. Alors, nous sommes au nombre de 4, mais aucun d'entre nous n'est le même. Nombre favori tourne et s'en mêle dans ta tête comme un odieux problème. Tu te sens trop fatigué pour tenter de tous nous trouver. Tu peux nous donner 7-1 pour facilement nous contourner. Vraiment, si on met 7-1. Non mais c'est pas ça, je veux le machin là. Genre... Non c'est pas ça. Ça fait 7, 1. Et si je fais 7 fois le chiffre 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça marche aussi. D'accord. Bon, y avait une énigme, mais je suis nul. Cette galère que c'était. Oula, t'es qui toi? Il a l'air trop choqué. Laure, papa, tu ne peux pas vraiment être ici. Papa, Baron est... Je ne peux pas les laisser faire. Je ne peux pas la laisser te trouver. Qu'est-ce que tu fais? Arrête. Tu dois partir maintenant. Attends, va-t'en. Ah d'accord, carrément. Le méchant papa. Et vilain papa. Je suis enfermé. Il est vénère sur la porte. Je suis vénère. Ah non, pas encore lui. Il n'a pas besoin de toi. Personne n'a besoin de toi. Non, pas encore. C'est le moment d'en finir. Laisse-moi tranquille. Sinon quoi? Sinon... Rien, je suppose. Oula. On a fini cette zone? C'est fini. Abandonne. Qu'est-ce que c'est? Ah, il est vénère, lui. Qu'est-ce que tu fais? Oh, j'aime bien sa tête avec l'œil qui bouge dans tous les sens. Non, arrête! Tu ne peux pas faire ça! Je sais même pas ce que je fous. Ah, on récupère une partie du cœur. Mange le cœur, mange.
Miam. Tu ne peux pas me faire ça. Tu sais même pas ce qui se passe. Ni ce qu'il est en train de faire. Non, je ne sais pas, effectivement. Brr. Elle est de retour. Merci d'avoir joué à ce démo. Achetez le jeu ou des produits dérivés, blablabla. GoPiratesoftware.com/merch. Ok. Pirate Software, ça faisait vraiment un fou lien d'avoir cliqué. C'est la fin de la démo? Mais du coup, c'était passé quoi si j'avais pris un autre portail? Attendez. Par contre, j'ai des vieux drops de connexion là, ça me saoule. Oui, je peux. D'accord. Ben, je peux pas le fermer normalement le jeu. Je suis obligé de quitter le jeu. C'est un peu n'importe quoi ça. Ok. On reste au clavier. FR. Et du coup, si je fais continuer là, il se passe quoi? On revient ici. On revient avant le combat du chien, c'est ça? Ok, on va devoir se retaper le chien. YouTube, je vais arrêter la VOD. Ce que je vais faire, c'est que je vais tuer le chien de nouveau. Voir si je prends les autres portails, il se passe autre chose. Et je referai des VOD pour les autres portails. Si ma souris veut bien marcher. Allez, abonnez-vous, des bisous.